je vous disais qu'il existe sur Terre des personnes qui n'ont jamais mangé ni de viande, ni de poisson, ni de poulet, ni même une simple omelette de toute leur vie et qui ne vont jamais avoir la chance d'en manger. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Nous sommes en Île-de-France, plus précisément à Neuilly-sur-Marne, et je vous amène à la rencontre de quelqu'un que je qualifierais d'un super-héros des temps modernes, là, on est en 2023. Ici, on ne parle pas cosmétique, on ne parle pas édition, on ne parle même pas vraiment de cuisine, mais on va parler d'une maladie génétique extrêmement rare et qui empêche une assimilation correcte des protéines. Mon héros est atteint de cette condition, mais il a réussi à faire de cela une grande force. Venez avec moi et voyons comment. Bonjour à tous, je m'appelle Garba Ousmanou, je suis originaire du Cameroun, je suis né en région parisienne à Noisy-le-Grand en 2004. On s'est rencontrés tout récemment, Tout récemment, effectivement, ouais, exactement. et j'ai été particulièrement, je vais dire, interpellée par ta particularité. Parce que ça ne se voit pas, on voit un jeune garçon tout mignon, tout souriant, mais on n'imagine pas à quel point ton histoire est profonde. Du coup, j'aimerais que tu me parles un peu de ta particularité. Ma particularité, en fait, c'est d'être un enfant malade, donc depuis ma naissance. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'étais un enfant différent quand même des autres. C'est une maladie assez rare, surtout en France, qui s'appelle la leucinose. Il y a 150 cas de personnes touchées par cette maladie par chaque an, chaque année. Et une maladie, c'est une maladie qui en fait. C'est par rapport à l'intolérance de protéines, l'intolérance de protéines animales, surtout. Végétales, ça va, mais surtout animales, quoi. Et par exemple, tout ce qui est viande, etc., je peux pas toucher à ça. Même le poisson. Même le poisson. Non, ça veut dire que tu dois avoir un régime alimentaire vraiment différent de tous les autres. Voilà. Qu'est-ce que tu manges au quotidien du coup? Ce que je mange, bah, ça dépend, en fait, je peux varier. Je sais que j'ai des féculents qui sont à portée de disposition, des féculents parce que des féculents spéciaux sans protéines du coup, parce que je peux pas manger des féculents avec des protéines. Du coup, je varie des féculents, par exemple des pâtes, du riz sans protéines aussi, ou bien de la semoule. Mais généralement, ce que j'aime et que j'ai le droit avec protéines un petit peu, c'est les frites. Moi, j'aime toujours les frites depuis petit et c'est ça mon plaisir, quoi. C'est ça mon kiff. Les frites, du coup, elles ne te rendent pas malade? En fait, il y a quand même une quantité à contrôler. C'est-à-dire que si j'en mange trop, c'est pas bon pour moi, quoi. Je dois dépasser, je dois calculer en fait ce que je mange. Ouais, je dois peser ce que je mange. Comme un peu les sportifs, Cédric Doumbé quand il fait des diètes, etc. Bah c'est ça. Et avec sa diététicienne, il regarde les grammages. Moi, c'est la même chose. Par exemple, 20 grammes de frites. Bah, je sais que c'est une part de protéines, on va dire. Et moi, j'ai le droit à 30 parts dans la journée. Et du coup, je calcule comme ça, quoi. Par exemple, si j'ai 100 grammes, je sais que j'ai 5 parts. Si j'ai 200 grammes, je sais que j'ai 10 parts. Il y a aussi une marque de chips que j'aime bien. C'est Bretz. C'est les chips au vinaigre. Je sais que quand je prends un paquet, ça me fait déjà 15 parts, en fait. Donc, j'ai juste à en prendre deux et je suis tranquille. Super. Donc c'est chips de pommes, chips de plantain, c'est... Chips de pommes, il y a chips de plantain aussi, que je peux prendre un paquet de 250 grammes. Quand je le prends, je sais que j'ai 16 parts déjà. Donc, un seul paquet, 16 parts. Donc, je sais qu'il me reste 14 parts à prendre. Du coup, c'est un avantage pour ton alimentation. Ouais, Super, exactement. Ça me super. facilite en fait à manger des protéines, à respecter la quantité de protéines que j'ai parce que c'est important pour tout, pour ma peau, pour la pousse de cheveux. Pour que mes cellules ils soient bien, quoi. Ok, parce que j'ai également vu là en haut, je vois un paquet de chips, chips Njoka. Et Exactement. du coup, je me demande, est-ce que ce n'est pas nocif pour toi? Est-ce que, parce que tu te fais suivre, je pense, Ouais. par une diététicienne, un professeur vraiment agréé. Et est-ce qu'elle t'a permis de consommer ça? Si oui, comment? Est-ce qu'il y a des restrictions précises pour ce produit, pour ce qui concerne ton cas spécifiquement? Alors oui, en fait c'est ma diététicienne qui m'a autorisé à prendre cette marque Njoka qui vient de tout droit du Cameroun. Donc c'est ma mère qui a trouvé le fournisseur au Cameroun. Ensuite, dès que ils ont été livrés en France, ma mère a demandé l'autorisation à ma diététicienne, donc elle lui a envoyé un mail pour lui demander si j'avais le droit de consommer ces aliments-là.
Quelques jours après, on a eu la réponse et ça s'est avéré positif. Ah, c'est magnifique ça. Du coup, ça permet quand même de varier. Ouais, Et exactement. une petite question quand même. Si jamais tu manges trop de protéines ou effectivement des protéines animales ou végétales, ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. C'est quoi le résultat, la réaction? En fait, la conséquence de cette chose-là, c'est que si je consomme trop de protéines, et bah, je peux aller à l'hôpital. Parce que mon taux de protéines, justement, il va augmenter. Donc la norme, c'est que ça soit entre 2 et 3. Et là, ça va augmenter, ça va être plus que 2 et 3, quoi. C'est une fois même, c'était allé jusqu'à 16, je crois. Et au bout d'un moment, on peut en mourir, on peut tomber dans le Non. coma. Par exemple, si je mange de la viande, je sais que je peux aller dans le coma. Et là même, j'ai un projet que je vais faire avec mon école, lors des portes ouvertes. Et on va expliquer ma maladie, quoi. On va faire comme un exposé. Et voilà, c'est ça les conséquences que j'aille à l'hôpital et que j'aille dans le coma. C'est surprenant déjà Exactement. parce que au Cameroun par exemple d'où tu es originaire et d'où moi je viens. La viande, c'est un des repas de base. Et je me Ouais. suis même rendu compte ici également que en France, en Belgique, en Allemagne, de manière générale en Europe, on consomme énormément de viande. Mais est-ce que du coup, ça n'a pas créé des frustrations en toi? Comment est-ce que tu vis ça au quotidien? C'est super dur. En fait, il y a des aliments que j'aimerais manger, comme par exemple les omelettes, les œufs. C'est bête, hein, mais c'est quelque chose que bah, c'est la vie, quoi. J'ai pas le droit d'en manger, donc ça me donne vraiment envie. Quand je voyais que ma mère préparait les omelettes avec des plantains, ça me donnait beaucoup envie. Une fois même, j'en ai pleuré, je me rappelle. Et ouais, ça crée des frustrations, c'est sûr. Après, bon, j'ai appris à vivre avec, hein. Je suis habitué, maintenant je sais. Je suis assez grand pour savoir mon régime, qu'est-ce que je dois manger ou pas, comment le respecter. Mais le plus dur, c'est même pas ça dans la maladie, c'est de prendre les médicaments. Alors, mes médicaments, c'est quoi? C'est des acides aminés en complément des protéines. En fait, ça remplace toutes les protéines que je peux pas manger. Par exemple, les protéines animales, la viande, etc., le poisson, tout ça remplace en fait. Et ça m'aide pour voilà, pour la pose de mes cheveux, etc., pour être en bonne santé comme tout le monde. Et c'est ça le plus dur, reprendre les médicaments. Parce que ça a vraiment un goût spécial, on va dire. Faut pas critiquer. J'adore ta positivité et le goût spécial de tes médicaments. Mais du coup, dans ton alimentation, donc, est-ce que tu as je dirais, une marque particulière ou un laboratoire particulier? Parce que je me dis, c'est pas tout le monde qui va être capable de faire des aliments, des nutriments qui sont adaptés à tes besoins, surtout que s'il s'agit de bon, moi, j'aime pas appeler ça des maladies, mais s'il s'agit de conditions rares, ça veut dire également qu'il va pas y avoir un très grand marché de personnes qui seront capables de faire des aliments qui correspondent à tes besoins. Donc, comment est-ce que tu gères, est-ce qu'il y a un fabricant particulier? Est-ce qu'il y a des endroits spécifiques où tu t'approvisionnes ou bien où maman s'approvisionne? Comment ça se passe? Oui, j'ai un endroit particulier. En fait, c'est une entreprise qui s'appelle Danone qui crée mes aliments. Donc, par exemple, les pâtes, etc., les féculents, elle les crée. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, j'allais à Paris dans un, je sais plus, c'était pas Danone cette fois-ci, mais c'était, en gros, c'est là-bas que j'ai récupéré mes aliments. Et on allait voir des gens spécialisés pour ça. Et c'est là-bas que, et aussi j'ai une feuille aussi où il y a tous les aliments. Et juste à la compléter, quel aliment j'ai envie d'avoir. Et ensuite, ils nous les livrent au bout de 3-4 jours. Et c'est comme ça que je fais. Et je réapprovisionne en fait à chaque fois. Même avec mes médicaments, je les demande à chaque fois. Par exemple, j'ai des arômes aussi que je demande aussi dans cette liste. Parce que mes médicaments, ils sont, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont spéciaux. Bah, c'est assez correct. Avec tes amis au quotidien, ça se passe comment? Si vous devez peut-être sortir tous, on dit bah, allons dans un fast-food, et puis comment ça se passe avec tes amis en société? En fait, bah, de base, ça me dérange pas de le dire. J'aurais aimé ne pas le dire, mais c'est quelque chose que je suis obligé parce que à chaque fois à midi, on est obligé de, voilà, de manger. Même par exemple à la cantine, je mange jamais à la cantine. Du coup, à chaque fois, on va manger. On va à Carrefour, etc. Les gens, ils prennent des sandwichs au thon, mes amis. Mais moi, je prends à Carrefour, je peux prendre que des chips et avec de la boisson. Mais si
Si on va au grec, si on décide d'aller au grec, je pourrais prendre que des frites avec les boissons et j'ai le droit à toutes les sauces et j'ai le droit aux légumes. J'ai le droit aux légumes aussi. J'ai le droit à la salade, la tomate, plein d'autres légumes. Et la viande, non. Du coup, la viande, je touche pas. Est-ce que tes amis ont un comportement différent avec toi? Oui, ça, je l'ai senti durant toute mon enfance et même à l'heure actuelle aussi. Je suis très proche, très très proche de mes amis, très proche de mes camarades, très bonne complicité. Et aussi les gens, j'ai remarqué quand je leur explique ma maladie, ils sont toujours curieux, quoi. Ils n'ont pas l'habitude de voir ça et tout. C'est tout nouveau pour toi, donc ils m'entourent, ils me questionnent et tout. Et voilà, ils sont... Là même, le projet que j'avais de présenter ma maladie, c'est même un ami à moi qui était intéressé, qui a voulu faire ce projet-là. On en a parlé vaguement au prof. Très brièvement, et ça l'a tout de suite captivé. Et c'est une bonne idée. Ça intrigue les gens, en fait, c'est ça. Ça éveille leur curiosité, en quelque sorte. Bah, du coup, t'es une sorte de Superman. Ouais. Tout dépend vraiment de la façon dont on se perçoit Exactement. soi-même. Voilà. Tout dépend de la position que l'on se donne soi-même. Et du coup, je me demande comment tu vois ton futur? Comment tu vois la suite? Quelle est la perception? Parce que des gens peuvent avoir la perception de toi. Au fond, c'est pas le plus important. Comment tu te vois? Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Bah, vous savez, il faut avoir confiance en soi. Moi, par exemple, j'ai grandi avec cette maladie. Ça m'a pas empêché d'avoir mon bac, de réussir un petit peu. Donc, par rapport à mon avenir, je suis pas trop inquiet parce que je sais qu'avec mon bac, je peux trouver un métier bien et que je peux gagner ma vie. Et comment je me vois dans 5 ans, 10 ans? J'aimerais bien être diététicien pour les sportifs, que ce soit les combattants ou même les footballeurs ou les choses comme ça, quoi. J'aimerais bien être leur diététicien. Et ça pourrait m'avancer à comprendre mieux le fonctionnement des aliments que je mange aussi. Et voilà, c'est tout ce que j'aimerais devenir. Et heureusement que j'ai un bon entourage aussi. Mais il faut jamais baisser les bras dans la vie, il y a toujours des épreuves. Mais il faut faire avec, on n'a pas le choix. Et c'est important, la patience. C'est pas donné à tout le monde. Mais la patience, c'est de l'or. C'est pour ça qu'il faut patienter et toujours courir derrière ses rêves. Ah, c'est magnifique ça. Là, t'as vraiment tout dit. Et honnêtement, t'as mon admiration. Parce que les difficultés, c'est facile à gérer quand on est grand, quand on a je veux dire, on a plus, avec l'âge, il y a plein de choses qu'on arrive à gérer un peu mieux. Mais c'est rare de voir des personnes jeunes et qui ont je vais dire une aussi grande solidité mentale. Parce que ça doit pas être évident tous les jours, j'imagine. Même la simple omelette. C'est compliqué, mais tu le prends vraiment très bien et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que d'ailleurs, j'aimerais partager ce petit contenu avec les autres. Et si justement, tu devais donner un message, juste un message, bon, je dirais même deux, un message à ceux qui ont des conditions physiques délicates et un message pour les autres qui n'ont aucune condition, qui n'ont rien, qui sont juste là, un message pour les autres. Je vais d'abord commencer par le message pour les autres. Du coup, je redirais de si vous aimez pas ce que vous faites, changez. Dites-le, n'ayez pas peur de le dire. Avancez. Écoutez votre famille. Faut se confier. Faut se confier, c'est important. Si vous aimez pas vraiment, arrêtez. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et il faut vraiment trouver la voie qui est faite pour nous, quoi. Il faut vraiment trouver ce qu'on aime, parce que c'est Il va imaginer une seconde aller au travail et faire des choses qu'on n'aime pas. Vraiment, ça doit être horrible. Et c'est pas le mode de vie qu'on souhaite avoir, nous tous. Et ça, c'était le message pour Les les autres. gens normaux, ouais. Maintenant, pour les gens qui sont malades, pour les croyants, vous savez très bien que nous, les musulmans, quand on a une épreuve comme ça en face de nous, il faut toujours patienter parce que nous, nos péchés ils sont effacés, quoi. Faut toujours avoir confiance en Allah, quoi. Et moi aussi, j'ai toujours des amis qui sont là. Ils disent que un ami à moi qui s'appelle Ryan, big up à lui, il me dit souvent que en gros je suis un exemple de patience, comme je l'ai dit, parce que cette maladie c'est normalement une maladie qui est toute la vie. Donc en gros, j'aimerais lui passer une petite dédicace, et une dédicace à tous mes amis proches, Yanis, Shérif, Ryan, Lilian, Ziad, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, désolé pour tout ce que j'oublie. Et à toute ma famille, mais en tout cas, ouais, il faut patienter. Et Inch'Allah, le jour du jugement, on ne sait pas ce qui nous attend. Vraiment, on aura la meilleure des récompenses, je pense.
Et Allah, il nous aime particulièrement. C'est ça que je voulais dire. Ah ça, je confirme. Merci. On va clôturer la vidéo sur une petite question. Si tu D'accord. avais le choix, genre que tous les aliments t'étaient permis, qu'est-ce que tu mangerais? Moi, Oui. je mangerais. Déjà, j'irais au quick, parce que c'est halal. J'aurais mangé des œufs. J'irais manger ouais, des grecs, tortillas, des tacos. Des panini aussi. Des crêpes. Les crêpes. Alors, les crêpes, j'aimerais trop manger. Les crêpes, les gaufres. En fait, toutes les sucreries, tout ce qui est pas bon, quoi. J'aurais tout, ouais, j'aurais tout essayé. J'aurais tout essayé. Parce que c'est une fois qu'on perd ce qu'on a que. On se rend compte de la valeur des choses dans la vie de tous les jours. Faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Moi, je suis allé au Cameroun il n'y a pas longtemps. J'ai vu comment c'était les conditions de vie. J'ai beaucoup aimé, mais après, le confort, c'est un petit peu différent, mais c'est toujours aussi bien. J'ai laissé une belle expérience, tout ça. Et il y a toujours des leçons à en tirer. Et les plus intelligents d'entre vous, ce sont ceux qui vont tirer des leçons à ce qui leur arrive dans leur vie et qui vont avancer. Ben, moi, je tire une très grande leçon de notre vidéo, c'est la résilience et je te remercie énormément pour le temps que tu m'as accordé. Il n'y a pas de souci, avec plaisir.